Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois reconnaissants envers notre Dieu. Lui, le bon berger qui nous a gardés, qui a permis que ce soir nous puissions nous retrouver dans sa maison pour l'adorer. Ainsi, sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Nous allons lire l'Écriture pour consacrer notre culte entre les mains de notre Dieu. Prenons nos Bibles dans les livres des Psaumes. Chukweni Biblia zetu katika kitabu kia Zaburi. Chapitre 25. Sura yake ya makumi mbili na tano. Nous allons lire les 10 premiers versets. Tasoma mashairi kumi ya kumwanzo. Éternel, j'élève à toi mon âme. Bwana, nainua kwako nafsi yangu. Mon Dieu, en toi je me confie. Mungu wangu, ndani yako natia tumaini langu. Que je ne sois pas couvert de honte. Sipate kuaibishwa. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Usiache badui bangu bafurahi kwa ajili ya mambo yangu. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Bale bote beko na kutumania abashi tavuru kwa kamwe. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Lakini bale batavuru kwa ni bale abana baminifu bila sababu. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Bwana, unujulishe manja yako. Enseigne-moi tes sentiers. Unifundishe mapito yako. Conduis-moi dans ta vérité. Uniongoze katika ukweli wako. Et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut. Unifundishe kwa maana wewe ndiye Mungu wa wokovu yangu. Tu es toujours mon espérance. Wewe kila mara utumaini langu. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Bwana, uzikumbuke kurema yako na wema wako. Car elles sont éternelles. Kwa maana ni za milele. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Usikumbuke makosa ya ujana wangu wala ukosefu wangu. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Lakini unikumbuke kukulingana na rema yako. A cause de ta bonté, ô Éternel. Kwa sababu ya wema wako, e Bwana. L'Éternel est bon et droit. Bwana ni mwema na mwenye haki. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Njoo kwa maana iko naonesha batenda zambi njia yake. Il conduit les humbles dans la justice. Iko naongoza banenekevu katika uhaki. Il enseigne aux humbles sa voie. Iko nafundisha banenekevu njia yake. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Mapito yote ya Bwana ni rema na uaminifu. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. Tu ya bale beko na shika gano lake na maamri yake. Amina. Avec ces écritures, nous allons devant notre Dieu. Pamoja na maandiko tutenda mbele za Mungu wetu. Pour répandre nos âmes devant lui. Tu akumwanga nafsi zetu mbele zake. Confesser nos péchés et nos manquements. Ainsi que lui demander de venir se rassembler avec nous et nous parler ce soir. Ainsi prenons le cantique numéro 39, Jésus-Christ est ma sagesse. Conduis pas, assure-moi.
prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, éternel des armées, nous te disons merci Seigneur pour cet après-midi. Seigneur, tu nous as soutenus tout au long de cette journée, mon Dieu, mon roi, et tu nous as disponibilisés, Seigneur, ce soir, pour que nous puissions nous retrouver dans ta maison, Seigneur, afin de communier avec toi autour de ta parole. C'est un privilège pour nous, Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fautes commises. Nous te prions, ô Dieu, de nous laver et de nous agréer, ô Dieu Tout-Puissant, dans ta sainte présence. Maintenant, ô Dieu d'amour, Seigneur, nous te consacrons ce culte à toi, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Descends, sois parmi nous, ô Dieu, et sois le bienvenu parmi nous, ô Dieu Tout-Puissant. Viens traiter avec tout un chacun de nous, Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas rentrer dans nos maisons telles que nous sommes venus, ô Dieu Tout-Puissant, mais que chacun de nous ait quelque chose qui pourra l'aider dans la foi chrétienne, ô Dieu Tout-Puissant. Oint le prédicateur du jour, oint le président du culte, oint les interprètes, oint le vase, oint tous les laïcs et notre auditoire, Seigneur Jésus. Nous recommandons toutes choses maintenant sous la direction du Saint-Esprit. Tu habites avec nous, Seigneur, comme l'Alpha, sois parmi nous comme Emmanuel, termine aussi avec nous comme l'Oméga, ô Dieu Tout-Puissant. Guéris le malade en ces lieux, Seigneur. Console les cœurs affligés. Relève ceux qui sont tombés, Seigneur. Donne la paix à ceux qui en manquent. Et que les captifs soient libérés, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu. Nous nous recommandons tous à toi. Tu habites avec nous encore une fois. Termine avec nos pères avec succès. Au nom de Jésus-Christ, notre Père Céleste. Amen. Alors que nos bien-aimés entrent, wakati bapendwa betu bekonangia, nous allons nous apprêter pour louer notre Dieu, tutajitarisha jua kumsifu Mungu wetu, lui notre Seigneur et notre Sauveur, yeye Bwana wetu na Mwokozi wetu, lui qui nous a invités ce soir, yeye ambaye anatualika jioni. Ainsi, je vous prie de vous lever, nous allons louer notre Seigneur. Nous commençons avec le numéro premier, porter une couronne. Na namba ya kwanza, kuvaa taji. Yeah.
Shalom Église. Shalom Kanisa. Shalom Église. Shalom Kanisa. Que Dieu vous bénisse ce soir. Mungu amibariki mangaribi. Soyez dans la joie car vous êtes le peuple d'un grand roi. Muwe katika furaha kwa sababu muko umma ya mfalme mkuu. Alors ce soir nous sommes venus devant sa présence. Na hii mangaribi tumekuja katika uwepo wake. Nous nous souvenons de ces bâtons d'Aaron. Tunakumbuka hii bakora ya Aruni. Sur lequel le prophète dit il s'était appuyé beaucoup d'années. Yenyewe nabieko nasema aranza kuegemea kwa miaka mingi kabisa. Un jour ça avait été oublié là-bas dans les saints des saints. Lakini siku moja bakauisau katika mahali takatifu ya watakatifu. Un bâton sec. Bakora yenye kukauka. Ça avait poussé. Ikachipuka. Et donné des fruits. Na ikatoa ata matunda. Un bâton qui n'avait pas d'âme. Muchi ila ikukuya tana nafsi. Maintenant vous avez une âme. Sasa we shuku na nafsi. Et vous êtes venu dans sa présence. Na umekuja hapa katika uwepo wake. Si vous étiez sec. Hata kama ulikuwa mwenye kukauka na muna kani. Vous allez ressortir reverdi. Utatoka hapa mwenye kuwa mubichi. Portant les fruits. Mwenye kutoa na matunda. Amen. Amina. Sans tarder, mettons-nous un petit peu debout. Bila kukawia tutashimama kumbele bwima. Nous sommes dans Daniel au chapitre 9. Livre de Daniel. Tutasoma katika Daniel sura yake 29. Il dit ceci à partir du premier verset jusqu'au troisième. Asema hivi kuanzia mstari wa kwanza paka wa. La première année de Darius, fils d'Assyrius. Mwaka wa kwanza wa Darius mwana wa Assyrius. De la race des Mèdes. Hii tabaka ya Wamedi. Lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Ile yenyewe ilikuwa ya wafalme wa ufalme wa Kaldea. La première année de son règne. Mwaka wa kwanza wa utawalo wake. Moi Daniel, j'ai vu par les livres. Mimi Danieli niliona kupitia vitabu. Il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Ya kama kuripasha kupita miaka 70 njia ya uharibifu wa Yerusalemu. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Kulingana na wingi ya miaka ile wa milele Mungu alimwambia Yeremia nabii. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Nikageuka na kumwangalia Bwana Mungu. Afin de recourir à la prière. Ili nikimbilie mu maombi. Et aux supplications. Na maombolezo. En jeûnant. Mukufunga chakula. En prenant le sac et la cendre. Mukuvala kunia na kudipaka majifu. Prions le Seigneur. Utaomba Bwana. Dieu béni éternellement, toi l'auteur de la vie éternelle. Toi, Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous, parce que nous nous reposons sur ce que tu as dit, que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, Seigneur, viens briser ces pains de vie pour nous. Mets l'homme de côté, Seigneur. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, Seigneur, que chacun de nous puisse être béni ce soir, rentrant chez lui rafraîchi. Pour l'honneur et la gloire de Dieu, nous avons prié ainsi. Amen. Amina. Je vous asseoir. Mawezi kuikala. Or, j'ai une petite exhortation ce soir. Ivi, niko kona onyo kidoko imangaribi. Intitulé, cela lui a fait un effet. C'était Daniel. Ile yakusema, ile ikamutende yako kitu fulani. Ilikuwa ni Danieli. Quand Daniel a vu que la prophétie allait s'accomplir, wakati Danieli aliona kusema hii unabii ilipasha kutimia. Et nous sommes arrivés au terme de la chose. Wakafika kumwisho ya kile kitu. Alors cela l'a remué. Na ile ikamuchamusha kabisa. Cela l'a réveillé. Na ile ikamuamusha. Il n'était plus la même personne. Asikukua tena yule yule. Quand nous prenons quelque chose dans les instructions de Gabriel à Daniel. Jo kwa maana tutachukua kitu fulani katika mafundisho ya Gabrieli kwa Danieli. Paragraphe 79. Kifungo makumi tano na kenda. Alain de Daniel dit ceci. Mkusema juu ya Daniel anasema hivi. Aller. Il n'avait pas d'église où aller. Akukukua hata na kanisa ya kwenda kaomba. Shadrach, Meshach et les autres c'était dans le royaume, les mêmes royaumes mais de l'autre côté. Ilikuwa katika ufalme mmoja lakini ile ngambo nyingine. Mais Daniel était seul. Lakini Daniel alijikuta peke yake kule. Pas d'église où aller. Akukukua hata na kanisa ya kwenda kaomba. Son avec qui fraterniser. Hata mutu wa kushiriki naye pamoja. Tout le monde allait au temple païen. Watu wote waranza kwenda kwa hekalu.
Tout le monde adorait les idoles. Watu wote waranza kuabudu masanamu. Pas de chants chrétiens. Akukukua mimbo ya Kikristo. Personne ne croyait la même chose que lui. Hakuna mtu hata mmoja ule alikuwa naamini pamoja naye. Pendant 68 ans. Kadiri ya miaka 68. Il avait été amené là-bas. Ile yenyewe alipelekwa kakule. Alors qu'il était qu'un jeune homme. Wakati alikuwa chingariki tu kiana. Wa umri ya miaka 12 wala 14. Il est resté fidèle à Dieu. Lakini akabakia mwaminifu kwa Mungu. Il a compris par le prophète Jérémie. Akaelewa kupitia nabii Yeremia. Et les jours étaient presque écoulés. Ya kusema mashiku ilikuwa karibu na kumalizika. Quel sentiment de mise en garde devrait animer le cœur de tout vrai prophète de Dieu aujourd'hui? Nini ya kani ya kemeyo ile ripasha kuingia kila mukristo leo hii? Quand nous nous tournons vers le passé, wakati tunangalia mwile isha kupita, pour voir ce que ce vrai prophète il avait dit, njuu ya kona kile huyu nabii wa kale alisemaka, et nous savons que nous sommes au temps de la fin. Na tunajua ya kama tuku mwakati ya mwisho. Il a dit, j'ai compris par les livres. Pala nasema, ninafika mkuelewa kupitia kitabu. Que Jérémie, mon frère, ya kusema Yeremia, il y a bien des années, kusha kupita miaka ya mingi, a prophétisé qu'Israël resterait ici pendant 70 ans. Aritabiri ya kusema Israeli ilipasha kubaki hapa kadiri ya miaka 70. Et le temps était presque écoulé. Na wakati ilikuwa tu karibu na kumalizika. Et il s'est préparé. Njo akajitayarisha. Il a publié un jeûne. Akatangaza kwa mafungo. Il s'est sanctifié. Akajitakasa. Quand la cendre et le sac, akavala il a mis ça sur sa tête. Na kujipaka la majifu pa kichwa yake. Il s'est mis à jeûner. Akaanza kufunga chakula. A prier. Kuomba. Pour comprendre ce qui était du jour où il vivait. Njuu ya kuelewa kile kilikuwa yako mumasiku ambamo alipasha kuishi. Cet accomplissement de la prophétie. Huku kutimilika kwa unabii. N'avait pas laissé Daniel tranquille. Haikumwacha kwa Daniel mwenye kusula. Cet accomplissement. Kutimilika kwa unabii. Avait eu un effet. Ikafanya ikaleta koshindo fulani sur lui, juu yake, de façon que même son comportement avait changé. Munamuna kusema hata tabia yake ikabadilika. Cela l'avait renoué. Ile ikamchamusha. Cela l'avait réveillé. Ile kamuamusha. Cela l'avait poussé dans la prière. Ile ikamusukuma maombi. Hallelujah. Hallelujah. Pourquoi? Ninjuu ya nini? Parce qu'il avait vu la prophétie être accomplie. Kwa sababu aliona unabii kutimilika. Le prophète dit ceci. Nabi anasema hivi. Si Daniel, kama Danieli, le prophète du Seigneur, Nabi wa Bwana, a pu consulter les livres de Jérémie. Arifika mukusoma kwa kitabu cha Yeremia. Et que ça lui a fait un tel effet. Na kile kitabu kikamutendea kwa mambo kama hii. Et que même le fait qu'Israël sorte, na ile mambo moja moja ya kusema Israeli atoke, et que tous ceux qui étaient vivants sortent, na wale wote walikuwa wazima watoke mu Babiloni, pour retourner dans leur patrie, juu ya kurudia muinchi yao, que ça les fasse jeûner, ile inafanyika mkufunga chakula, et à prendre le sac et la sang, la kunia na kujipakala majifu. Le prophète dit, nabi anasema, combien plus de faits, sasa itafanya na muna kani, cela devrait faire à l'église du Dieu vivant. Kwa kanisa ya Mungu aliye la hai leo. Nous sommes dans un temps prophétique. Tuko mwakati ya unabi. Nous sommes dans un temps où les prophéties sont en train de prendre place. Tuko mwakati le misemo ya unabi iku nenda na kutimilika. Alors comme ça avait eu de l'effet sur Daniel, savile ilifanya koshindo fulani, ça devrait avoir les mêmes effets. Inapasha kuleta tena mafanikio juu yetu. Sinon, nous sommes alors distraits. Pale tuko wenye kulengama. Non. Apana. Nous sommes un peuple prophétique. Tuko watu wa unabii. Nous sommes en train d'examiner les choses. Tuko nachunguza kwa vitu. Avec le message. Pamoja na ujumbe. Regardant autour de nous. Kuangalia kando kando yetu. Et nous savons. Na tunajua. Que d'un moment à l'autre. Ya kusema wakati tu fulani. Ça sera terminé. Kutamalizika. Alors. Sasa. Comme cette prophétie. Sabile hii unabii. Avait eu l'effet sur Daniel. Ilileta koshindo fulani pa Danieli. Combien d'effets. Itakuya namuna kani. Cela devait faire au peuple de Dieu. Ilipasha kuleta koshindo kani njuu ya watu wa Mungu. Car nous sommes arrivés à la fin des temps. Kwa sababu tumefika mwisho ya wakati. Les choses bougent.
Vitu vinaanza kutenga. Les choses vont très vite. Vitu vinaanza kwenda haraka. Alors nous ne savons pas. Sasa atujue. L'enlèvement unyakuo pourrait arriver à n'importe quel moment. Inaweza kutendeka izuru wakati kani yoyote. Parce que les signes. Kwa sababu maishara. Qui ont nous ont été donnés. Ile ilitupewa. Sont en train de prendre place. Iko nenda na kutimia. Alors cela. Kumbi hii. Devait renouer notre cœur. Inapasha kuchamucha kabisa mioyo yetu. Devait nous bouger. Inapasha kututengesha. Cela devait changer notre comportement. Ile ripasha kubadilisha mwenendo wetu. Parce que d'un moment à l'autre ça sera terminé. Kwa sababu muda si muda utamalizika. Hallelujah. Sasa anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Combien plus de fait cela devrait faire à l'église. Il passe à kufanchia kanisa nini? Du Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye hai. De savoir que le temps est en train de se terminer. Wakati wanajua tu ya kusema wakati iku nenda na kumalizika. Il dit. Anasema. Qu'il n'y aura plus de temps. Akusta kuwa tena wakati. Et que la venue du Seigneur Jésus Christ. Na kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Et le glorieux millénaire. Na hii utawala wa miaka elfu ya bientôt utukufu. Itatimia hapa sasa. Maintenant. Sasa. Il dit. Anasema. Comment peut-on perdre son temps? Namuna kani utaponda wakati yako. A jouer au jeu d'argent. Mukucheza michezo ya mfranga. Aller à la piscine le dimanche. Kwenda kuchiziwa ya maji siku ya Jumapili. Pas de temps pour le Seigneur. Auna tena na wakati njuu ya Bwana. Comment? Namuna kani vile. Nous n'avons pas reçu la révélation. Mana yake huyapokea ufunuo. Que c'est la fin. Ya kusema njoo wakati ya mwisho. Nous pensons qu'il y a encore du temps. Wala tuku na zania kusema wakati chingariki iko. C'est pourquoi nous remettons les choses au lendemain. Njoo kwa maana tuku naona pa kusema wakati chingariki. Ile tu. Anasema. Comment peut-on perdre son temps? Namuna kani utaponda wakati yako. A jouer au jeu d'argent. Mukucheza michezo ya mfranga. Aller à la piscine le dimanche. Kwenda kuchiziwa ya maji siku ya Jumapili. Pas de temps pour le Seigneur. Auna na wakati njuu ya Bwana. On fait un saut là-bas à l'église. Unaenda kwa kidogo kukanisa. Si le pasteur dit quelque chose qui ne nous plaît pas. Kama tu pastor anasema kitu kila kitu furaishe. On se lève. Pale unashimama. Et on sort. Unatoka mkanisa. Et si la réunion dure trop longtemps. Na kama ibada inakawia ako. Eh bien on est mécontent. Pale aufurahi. Regardez dans quel état nous sommes. Angalia ni muali kani tuiko. Regardez ce que nous faisons. Angalieni kile tukunatenda. Comparons notre vie. Tulinganishe kwa maisha yetu. Avec ce prophète là. Na huyu nabii. Lui il restait seulement 2 ans. Ye kulimbakiria tu ni miaka 2. Pour que le peuple puisse rentrer à Jérusalem. Je kusema watu warudie mu Yerusalemu. Il a compté. Akayesabia dans 2 ans. Akakuta kusema kuna bakia miaka 2 tu. Alors nous allons rentrer. Mu miaka 2 tutarudia. Mais pour nous la suite. Lakini njia sisi watu wa mataifa. Il y a pas un temps imparti. Hakuna wakati yenye kukutukatiwa. Nous sisi les choses bitu seront comme une surprise. Bitakuya saa mumushutusho. Vous n'allez pas compter. Waya usta esabia. Comme Daniel que dans 2 ans. Kama vile Daniel ya kusema kuna bakia miaka 2. Quel enlèvement allez avoir lieu. Njo unyakuo itatendeka pana. Il y a pas de temps imparti. Hakuna wakati yenye kutukatiwa. Nous sisi. Nous devons être très vigilants. Tunapacha kukeba ange kabisa. Oui. Ndio. Parce que les gens des nations. Kwa sababu pas de temps. Njo ya watu wa mataifa hakuna wakati. Hakuna mupaka. Ili tu. Anasema. Regardez dans quel état nous sommes. Angalieni muhali ile tuiko. Regardez ce que nous faisons. Tuangalieni bile tukunatenda. Comparez notre vie. Tulinganishe kwa maisha yetu. Avec ce prophète là. Na ya ule nabii ule. Un seul homme. Mutu moja tu. Dans un royaume tout entier. Katika ufalme uzima. Sans église où aller. Bila kanisa ila ranza kwenda. Ni wakini nili par ailleurs où aller. Wala fashi fulani kula ranza kwenda. Tu avais été détruit et brûlé. Ile yenye inchi yote iliharibiwa. Sa ville. Mujia yake peuple était captif. Watu wa ndugu yake walikuwa wafungwa. 68 ans. Miaka 68 na 8. Miaka 68 na 8. 69. Mwaka 68 na 9. 70. Miaka 70. Il lui restait 2 ans. Kulimbakiria tu ni miaka 2. Alors, sasa. Quand il s'est mis à lire dans les livres. Wakati aranza kusoma mu vitabu. Et qu'il a vu que le temps
de l'accomplissement approché, na akaona kusema wakati ya utimiliko ilianza kukaribia, allait s'accomplir, ya kusema ile ilipasha kutimia, il s'est approché de Dieu dans la prière. Jo akamkaribia Mungu katika maombi. Pour savoir ce qui en était. Juu ya kujua ni mambo kani anamchungia. Quel moment crucial. Ni wakati kani mzuri. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Sasa sisi tuko nafanya nini? Alors que les nations se disloquent. Japo mataifa iko nenda na kukatulukana. Que la mer rige. Na bahari iko na zidi kupanda. Et que la peur fait défaillir le cœur des hommes. Na boka buku nenda na kuingia mumioyo ya watu. Dans un temps où ils ne savent quoi faire. Mu wakati ambamo awajue kutenda nini. Ils confinent aujourd'hui. Ils déconfinent le lendemain. Beko na Allemagne disent il faut vivre avec le Covid. Beko na patana leo kesho bana katulukana. Bengine beko nasema aipendeze kuishi tu mushiriki. Oh mon Dieu mon roi. Hey, Mungu wangu mfalme wangu. Il dit ceci. Anasema hivi. Les nations se disloquent. Mataifa iko na katuluka. Que la mer rige. Na bahari inazidi. Que la peur fait défaillir le cœur des hommes. Na boka buku natetemesha mioyo ya watu. Dans un temps où ils ne savent que faire. Abajue batafanya nini. Toutes ces choses. Ivi vitu vyote. L'écriture sur la miraille. Andiko juu ya ukuta. La ségrégation raciale. Kukatulukana kwa mataifa. Le mal sous toutes ses formes. Mubaya mumaumbo ya vyote. Qui règne dans le monde. Inayala mudunia. Et les querelles. Na mafitina. Les bagarres. Mavita. Et les histoires. Na vitu. Et il y a assez d'armes suspendues dans les silos. Na ii. Kombora yenye kusimamisha juu ya Sioni. Pour qu'un petit pays de la taille de Kiba. Njia kusema kainchi kadoko kabunene ya Kiba. Près d'ici soit capable de détruire le monde en 10 minutes. Karibu tu hapa keko na uwezo ya kuharibisha ulimwengu mzima muma dakika 10 tu. Eh, il se querelle. Na ii mafitina. Des hommes impies. Watu wabaya. Qui ne connaissent pas Dieu. Awa mujua ata Mungu. Et qui ne reconnaissent pas sa puissance. Na abajua ata uwezo wa Mungu. Et le Saint-Esprit. Na Rome takatifu. Est dans l'église. Eko ndani ya kanisa. En train d'agir parmi les élus. Mukutenda miongoni ya wateule. Démontrer. Mukonekanisha. Il est vivant après 2000 ans. Ya kusema eko hai kisha miaka 2000. Et qu'il est le même hier. Moja moja jana leo. Leo. Et pour toujours. Na njia milele. Comment peut-on rester assis là? Namuna kani tutabakia beje kuikala pale? Nonchalamment. Bila kujua cha kufanya. Avec paresse, mollesse, des choses comme ça. Na ubovu. Il dit ceci. Anasema hivi. Comment peut-on rester assis là? Namuna kani tutabakia beje kuikala pale? Nonchalamment. Na ubovu. Comment peut-on prendre la chose comme ça? À la légère. Namuna kani utabeba kitu kwa wepesi namuna ile. Il est temps qu'on s'examine. Wakati natimia tujichunguze. En voyant que cette grandeur qui approche. Mukuangaria i wakati kubwa yenye kukaribia. Oui ma soeur. Ndiyo dada yangu. Nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Atuwezi kuchukua vitu kwa wepesi. Quand nous voyons le monde entier. Wakati tukunaona ulimwengu mzima. Être secoué. Iku natikiswa. Pour vous. Njuu yenu. C'est un signe. Ni alama. Que d'un moment à l'autre. Ya kusema wakati muda si muda. Ça sera terminé. Kutamalizika. Mais comment se fait-il? Namuna kani? Que vous restez là. Unabakia pale. Vous prenez les choses à la légère. Uko naona mambo tu kama kawaida. Vous prenez les choses à la légère. Uko na chukua mambo kwa wepesi. Nonchalamment. Na ubovu wote. Aucun effet. Hakuna chindo hata moja. Rien n'est arrivé. Yenye kukutendekea. Non, ce n'est pas possible. Hapana biwezekani. Comparons notre vie. Tulinganishe maisha yetu. Avec celle de ce prophète. Na maisha ya ule nabii ule. Quand il a vu que la chose allait s'accomplir. Wakati alifika mkono kusema kitu kitatimia. Cela l'a remué. Ile kamutikisa. Ça l'a bougé. Ikamutengisha kabisa. Il a changé de comportement. Akabadilisha mwenendo wake. Il s'est lancé de plus en plus dans la prière. Akazidi kujitumbukiza mu maombi. Dans des jeûnes. Mukufunga kwa chakula. Des supplications maombolezo, parce que le temps était arrivé. Kwa sababu wakati ilitimia. Maintenant, sasa, nous voyons les choses prendre place. Tuko naona vitu viku nenda na kutimia. Vous, ça ne bouge pas. Sisi atitenke. Vous prenez les choses à la légère. Tuko nachukua vitu kwa wepesi. Un petit pays. Ka inchi kadoko tu. Comme Kiba. Kama Kiba. Peut mettre fin
au système mondial que vous voyez. Kanawezi kushimamisha hii ulimwengu tu yote mzima. Mais William Branham. Lakini William Branham anasema avant que la bombe atomique mbele ya hii kombora ya chembe tombe sur la terre, kuanguka papa udongo, le peuple élu sera déjà parti. Wateule watakuwa wenye kujendeza. Nous n'avons pas la promesse de voir la destruction pas. Atuna na ile hadi ya kona waribibu par la bombe atomique. Kupitia hii kombora ya chembe. Nous, sisi, avant la grande bombe avant qu'elle tombe, kabla ya ile kombora ya chembe kuanguka pa udongo, nous serons à la maison. Tutakuwa wenye kwa tayari kunyumba. C'est ça notre promesse. Ile njoo hadi tunayo. Maintenant ma soeur, sasa dada yangu, mon frère, nduku yangu, ne soyez pas distrait. Hapana kulengama. Ce n'est pas le moment. Haina wakati. Ces choses hivi vitu doivent vous bouger. Binapacha kukutengesha hapo. Vous réveiller. Binapacha kukuamusha. Oui. Ndiyo. Certainement. Hakika. Ne prenez pas ces choses à la légère. Hapana kuchukua hivi vitu kwa wepesi. Oh, nous lisons encore quelque chose. Eh, tutasoma tena kitu kingine. Je crois. Je dois lire paragraphe 165. Kifungo 165. 105. Dans les instructions de Gabriel à Daniel. Nipaka katika mafundisho ya Gabrieli kwa Danieli. Oui, nous sommes là. Il dit, anasema, oh Jésus, hey Yesu, nous voyons que nous nous approchons de quelque chose. Tunaona ya kama tukunakaribia kukitu fulani. Le prophète Isaïe en a parlé. Nabi Isaïe aliisemezea. Jérémie en a parlé. Jérémie pia aliisemezea. Daniel a regardé. Daniel akatazama. Il a vu ce qu'ils avaient dit. Akaona kile kenye wao walisemaka. Ça remuait son cœur. Kikatikisa moyo wake. Ça remuait son cœur. Et il a tourné sa face vers le ciel. Il a gêné. Il a pris les sacs. Akavala kunia et la cendre. N'akajipakala majifu. Il voulait entendre. Alitaka kusikia pour pouvoir avertir les gens. Juu ya kufika kujulisha kwa watu. Seigneur, Bwana, nous aussi, sisi pia, nous voyons par les livres. Tunaona kupitia vitabu. Par ton livre. Kupitia kitabu chako. Le livre d'Esaïe. Kitabu cha Isaya. Le livre de Jérémie. Kitabu cha Yeremia. Le livre de Jacques. Kitabu cha Yakobo. De Jean. Kitabu cha Yona. De Luc. Cha Luca. De Marc. Cha Marco. De Matthieu. Cha Matayo. Le livre d'Apocalypse. Na kitabu cha Ufunuo. Par tous tes livres. Kupitia vitabu vyako vyote. Que nous sommes près de la fin. Ya kusema tunakaribia sana kumwisho. Et nous avons tourné notre face. Na tutageuza uso wetu. Vers le ciel. Kuangalia kwa kumbingu. Dans la prière. Katika maombi. Et les supplications. Na maombolezo. Êtes-vous là? Eti tukunapatana? Lui le prophète. Yeye nabii. Quand il a vu ces choses aussi. Wakati aliona hivi vitu. Ça changeait son comportement. Ikabadilisha mwenendo wake. Il a dit. Akasema. À l'ouverture des seaux. Mukufungua kwa miuri. Je ne suis plus la même personne. Nisi kukuye tena ule mtu moja moja. Ça l'avait changé. Ikamubadilisha. Ça l'avait influencé. Ikashawisha maisha yake. Alors ma soeur. Sasa dada yangu. Quand nous voyons Dieu faire quelque chose. Wakati tunamona Mungu kutenda kitu fulani. C'est pour que vous puissiez vous avancer davantage en Dieu. Ni njia kusema uzidi kumukaribia Mungu. Ne soyez pas distrait. Alors ces choses ne sont pas là pour être des addis. Oh yassa, tu es arrivé. Non ma soeur. Non. Le prophète Daniel, quand il a vu ça, ça l'a réveillé. Ikamwamusha. Ça l'a poussé. Ikamukaribisha kabisa. À s'approcher davantage. Ikamukaribisha kabisa na Mungu. Alors nous aussi. Kumbi sisi pia. Ces choses. Hivi vitu. Quand Branham dit quelque chose. Wakati Branham anasema kwa kitu fulani. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Quand nous voyons cela être accompli. Wakati tunaona kile kitu kutimia. Alléluia. 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 Moi j'ai dit. Ikasema. Il y a une phrase célèbre de Branham que j'aime beaucoup. Kuko msemo moya yenye akavumu sana ya Branham ile mimi napendaka kabisa. Branham ati. Branham iko nasema si ceci n'est pas cela. Kama iki mimi kunasema aina njojo, nous nous contentons de ceci. Tuko na furahi mbele na iki en attendant cela. Mukongojee kile kingine. Quand nous voyons les prophéties être là.
Wakati tu kunaona maunabii kutendeka. Un président catholique. Tunaona rais wa kikatolika. Une femme vice-présidente. Mke mwenye kufuatia rais. Tel que le prophète l'avait dit. Kama jinsi nabii alisemaka. Si ceci n'est pas cela. Kama iki aina njoo kile. Nous nous contentons d'abord de garder ceci. Mbele tunaanza kufurahi na kuona hii. En attendant cela. Ungojea kile kenye mwamku na wazee. Sinon nous pouvons rater quelque chose. Kama je atupende kukosa kwa kitu fulani. Quand il accomplit la parole. Wakati Mungu anatimiza kwa neno. Souvent ça passe en dessous et au-dessus. Mara mingi inapitia chini ya watu na yule ya watu. Watu wanataka kujulisha. Mais on avait dit que telle chose allait arriver. Lakini barisemaka kitu fulani kitatendeka. C'est déjà arrivé. Kisha na kutendeka. Et vous ne vous êtes pas rendu compte. Lakini weye au kukione. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh. Eh. Il dit. Anasema. Seigneur. Bwana. Nous aussi. Sisi pia, nous voyons par les livres. Tunaona kupitia vitabu. Par ton livre. Kupitia kitabu chako. Le livre d'Esaïe. Kitabu cha Isaya. Le livre de Jérémie. Kitabu cha Yeremia. Le livre de Jacques. Kitabu cha Yakobo. De Jean. Cha Yohano. De Luc. Cha Luca. De Marc. Cha Marco. De Matthieu. Cha Matayo. Le livre d'Apocalypse. Kitabu cha Ufunuo. Par tous tes livres. Kupitia vitabu vyako vyote. Que nous sommes près de la fin. Ya kusema tunazidi kukaribia mwisho. Et que nous avons tourné notre face vers Dieu. Na tunageuza mauso yetu kwa mwangalia Mungu. Dans la prière. Katika maombi. Et les supplications. Na maombolezo. Pour voir. Njia kuona. En quel temps nous vivons, Seigneur. Ni wakati kani tukunaishi Bwana. Nous voyons les jours commencer à poindre. Tuko naona masiku kuzidi kukaribia. Alors Seigneur. Bwana. Nous venons à toi. Tunakuja kwako. Notre foi regarde à toi en ce moment. Wakati ingine, tunakuangalilia wewe mwi wakati. Nous mettons de côté tout fardeau. Tunatupa pembeni manira ingine yote. Tout péché. Mazambi yote. Toute parcelle d'incrédulité. Kila lupango ya kutokuamini. Qui nous envelopperait. Bile vyote bilianza kutuzunguka. Si facilement. Kwa wepesi. Et nous courons maintenant vers le but. Na tuku nakimbia sasa kwenye kwa ngalia kulengo. De la vocation céleste. Ya wito wa kumbingu. Car. Kwa sababu. Nous savons que notre temps est limité. Tunajua kusema wakati yetu iko na mupaka. C'est limité. Iko na mwisho. Il n'y a pas de délai pour les nations. Hakuna tena wakati njuu ya mataifa. Dieu a bouleversé cela. Mungu ashakuibadilisha. Quand il a bouleversé le calendrier astronomique. Wakati alibadilisha kwa hii kalandari ya elimu ya manyota. C'est pourquoi pour les nations, il n'y a pas moyen de calculer. Njoo kwa maana njuu ya mataifa hakuna tena wakati. C'est pour Branham dit. Njoo kwa maana Branham iko nasema. C'est pour que l'église veille tout le temps. Ni njia kusema kanisa ikuwe kuna keshi kila wakati. Et soit aux aguets. Na iwe tayari. Que chacun se prépare. Kila mmoja ajitayarishe. Car nous ne savons pas. Kwa sababu hatujue. De deux personnes qui seront dans les lits. Wawili wale watakuwa mkitanda. L'une sera prise et l'autre laissée. Mmoja atachukuliwa na mwingine atabaki. De deux qui seront dans les champs. Wawili shambani. L'un sera pris et l'autre laissée. Mmoja atachukuliwa na mwingine atabaki. Nous sommes bien aimés, frères. Tuko sasa wapendwa wa nduku dans l'attente de tuko mkongojea kwa kitu fulani. C'est pourquoi joko mana ne négligeons pas les choses. Tushisule bitu. Non. Hapana. Regardez le message. Tuangalieni ujumbe. Le message. Ujumbe. C'est ça le boussole. Njo kiombo chenye kutonesha ongozi. C'est ça la carte routière. Njo karatasi yenye kutongoza. Qui nous montre là nous allons. Iko natonesha kwenye tukunaelekea. Quand vous verrez telle chose. Wakati mutaona kitu fulani. Telle autre chose. Wakati mutafika palukumba. Sachez que c'est la fin. Ile unabakia mwisho tu. Maintenant. Hapa sasa. Cela doit remuer. Ile napasha kututikisa. J'insiste beaucoup. Nina kazia kabisa. Parce qu'il a dit. Kwa sababu alisema. Comparez votre vie et celle de ses proches. Linganisheni maisha yenu na maisha ya huyu mtu. Qu'est-ce que ça nous a fait? Hivi vitu vyote vinatufanya kwa nini mu maisha yetu? Les homosexuels partout dans les gouvernements. Watenda ufiraji mali pote hii mudunia. C'est un signe. Ile ni alama. Oh mon Dieu. Ça doit nous faire quelque chose. Inapasha kutenda kwa kitu fulani mu maisha yetu. Il dit quelque chose. Anasema tena kitu kingine. Rapidement. Nasoma kwa haraka. Ceci dans la 70e semaine. Anasema katika mahubiri juma ya saba. On page ka. Paragraph 42. Juma ya sabini. Kifungo makumi ine na mbili, makumi ine na tatu.
Anasema tena kitu kingine kule. Anasema. Maintenant. Sasa. Récapitulons juste un petit peu. Pour avoir une base. Donc il y avait Daniel, Daniel était préoccupé à cause de son peuple. En effet, il avait lu le prophète Jérémie. Il avait compris que Jérémie avait dit qu'il resterait en captivité 70 ans. Ya kusema, Jérémie alisemaka walipasha kubakia wafungwa kadiri ya miaka 70. Et là, na kule, il voyait qu'il y avait déjà 68 ans qu'ils étaient en captivité. Alifikaka mukona kusema kusha kupita miaka 68 walikuwa wafungwa. Alors il savait sasa alijua que le moment était proche. Ya kusema wakati ilianza kukaribia. C'est pourquoi. Njo kwa maana il a mis de côté tout le travail. Akatia pembeni makazi ingine yote. Il a pour ainsi dire baissé les rideaux. Akafika mukusema tu kuzuri akashusha ko ile mapazia sur toutes les tâches quotidiennes. Pa makazi yake yo ashikila shiku. Et il a tourné sa face vers Dieu. Il a revêtu des sacs akavala kunia, et de la cendre. Il s'est mis à jeûner, akaanza kufunga chakula, à prier, akaanza kuomba, dans le but de savoir quand ce moment-là allait arriver. Na lengo ya kujua wakati ile saa itatimia. Après, nous voyons, comme je l'ai déjà dit, kisha tutaona gisimisha kuisema. Il dit anasema, 44. Nous voyons donc que Daniel, tunaona kumbi ya kusema Danieli, c'est pour son peuple ni njia wa nduku yake, qu'il voulait avoir cette information. Et je pense que si Daniel, kama Danieli, en lisant mukusoma, les prophètes qui étaient venus avant lui, mukuwasoma wanabi wale walimutanguria, et en comprenant qu'il était près de la fin, na mukuelewa ya kusema barizidi kukaribia mwisho, il s'est mis à chercher Dieu, akaanza kumutafuta Mungu, pour savoir combien la fin était proche. Njia kufika mukujua namna kani mwisho na karibia. Alors je pense pale mina wazia, quand voyant que nous sommes au bout du chemin, mukuona ya kusema tunakuwa kumwisho ya njia. Maintenant sasa, il est légitime, ni halali, non pas que nous revêtions les sacs, apana ya kusema tufika makunia, et la cendre, na kujipakala majifu, mais lakini, que nous revêtions les choses du monde, lakini tuache vitu vya mudunia, et nos soucis de cette vie, na mashururi ya hii maisha itunayo, pour chercher Dieu, njia ya kumutafuta kwa Mungu, afin de voir quel jour de l'année nous sommes. Ili tufike mkujua ni siku kani ya mwaka tuiko. Parce que nous voyons, kwa sababu tunaona, que nous sommes à la fin. Ya kusema tunafika kumwisho. Pour que l'église, njia ya kusema kanisa, recours aux jeunes, pakimbirie kwa mkufunga chakula, et à la prière, na mumaombi, et se tienne prête, na bakuye ko tayari. C'est pour ça njua ile sababu que je me suis mis en devoir, njo mina dipatia kwa ili lazimisho. Je ne savais pas par quelle explication donner à ceci. Mishi kujue kupitia kueleza kani mimi pasha kueleza nako. Alléluia. 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 Ces choses, hivi vitu, nous sommes à la fin. Tuko kumwisho. Certainement. Hakika. Alors, sasa, l'église, kanisa, devait recourir, ilipasha kukimbiria, au jeûne, mukufunga chakula, à la prière, mukuomba. Peut-être ce n'est pas décrété à l'église, zingine, mais individuellement. Lakini kila mtu palwake, quand vous voyez ces prophéties être accomplies, wakati Mungu naona hii misemo ya unabii kutimia, si vous avez le Saint-Esprit, kama uko na Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, vous poussera à vous préparer, atakusukuma ujitayarishe. Le Saint-Esprit en vous, Roho Mtakatifu ndani yako, va remuer votre cœur, itatikisa moyo wako, ça va vous réveiller, itakuamsha, ça va vous bouger, itakute. Vous ne serez pas la même personne. Car c'est Dieu. Oh, je me souviens de William Branham. Hey, nakumbuka kwa William Branham. Il parle d'une dame. Eko nasema njia ya mama moja. Son enfant était malade. Mtoto yake alikuwa mgonjwa. C'est-à-dire, mana yake, les choses qui pouvaient attirer l'attention de cet enfant,
Vitu vile biripasha kukota kuangalisho ya mtoto yake. Le jeu. Ma bichezesha. Maintenant on a ajouté ça devant. Sasa baranza kutengesha vile bichezesha kumbele ya mtoto. L'enfant regardait fixement. Mtoto aranza kuangalia saa shione kintu. On nous fait comme ça. Anatengesha kwa kapopi. Il reste regardant. Mtoto acha kuangalia pake. Oh, la femme a dit non. Cho ule mama kasema ba. L'enfant est malade. Mtoto yangu yeye kumugonja. Là amené chez un médecin. Akampeleka kwa wanganga. Alors le médecin a regardé l'enfant. Jo munganga kangaria mtoto. L'a dit à la femme, non, l'enfant est bien. Ule mama kusema mtoto yuko mzuri. Maman l'a amené encore dans les magasins de jouets. Ule mama kaenda na mtoto muduga ya bichezo. Akaenda na akatikisa kwa kitu fulani. Comme ça. Anatikisa hivi. L'enfant regarde. Mtoto tangu ari angalia sasa. De l'autre côté. Anatikisa. Mtoto ko naangalia sasa shone lwake kitu. Il dit, Jo anasema, le prophète dit. Nabie ko nasema. Dieu est en train d'agiter chaque signe. Mungu eko natikisa kila alama. Devant l'église. Mbele ya kanisa. Tandis que l'église. Japo kanisa. Regarde dans les vies. Kisha kuangalia wazi. Non. Apana. Les signes. Maishara. C'est pour faire bouger l'église. Ninjio kutikisa ko kanisa. Les signes. Maishara. Ça vous pousse davantage à chercher Dieu. Iko nazidi kumisukuma mumutafute Mungu. Ça vous pousse. Iko na misukuma. À changer de comportement. Mukbadirisha kwa matabia. Même si vous ne priez plus. Hata kama ukwanze kuomba tena. Quand vous voyez ces choses arriver. Wakati unaona hivi vitu kutimia. Cela doit vous pousser. Ile napasha kukusukuma mumaombi. Cela doit vous bouger. Ile napasha kukutengesha ako. Ma sœur. Dada yangu. Qu'est-ce qu'il y a? Ni kitu kanya kendeke. Dieu est en train d'agiter les choses. Mungu kuna tikisa vitu. Il y a la maladie qui est en train de frapper. Kuko magonjo ile kuna uwa watu lewe. C'est Dieu. Ni Mungu kuna fanya vile. C'est Dieu. Ni Mungu. C'est la prophétie. Ni unabii kuna tendeka. Maintenant. Sasa. Vous regardez dans les vies. Weyo kuna angaria muwazi aone kitu. Non. Apana. C'est signe. Ii maishara. C'est pour vous. Ni njuu yenu. Pour vous changer. Tu ya kumibadirisha. Que vous puissiez bouger. Que vous puissiez vous réveiller. Que vous puissiez vous rapprocher davantage. Quand vous remarquez la chose, vous vous souvenez Israël. Les chrétiens du début là-bas. Wa Christ, wa le Seigneur leur avait dit. Quand vous verrez Jérusalem, wakati mtaona Yerushalemu, entouré par une armée étrangère, uzunguka na jeshi ya kigeni. Et ceux qui sont dans les murailles sortent. Ndani ya ukuta baondoke. Car sa désolation est arrivée. Kwa sababu waribivu unakaribia. Alléluia. Alléluia. D'après Titus. Kisha Titus. Non, pas d'après Titus. D'après Flavius Joseph. Kisha c'est un écrivain. Kulingana tu na Flavius Joseph. Il a décrit Joseph. Arionesha kile kitu. Maintenant il a dit. Sasa kasema. L'armée. Hii jeshi est venu la première fois. Ilikuyaka mara ya kwanza. Ça cernait la ville. Ikazunguka ile muji. Et les chrétiens étaient dedans. Na wakristu walikuya ndani. Mais ils ont remarqué. Lakini bariwona ako. L'armée a desserré le tour. Bakaona hii jeshi kuzunguka ukuta. Et rentré. Kisha bakatoka banaenda. Maintenant. Sasa. Les chrétiens ont profité pour sortir. Wakristu waringirire pa ile bati njua kuchimbia luabo. Sont allés dans des montagnes. Bakaenda mumilima. Ils sont restés là-bas. Bakabakia mule. Presque 2 ans. Kadiri ya miaka mbili. Et les gens se moquaient d'eux. Na bantu baranza kubacheka. Vous avez fait sortir les enfants Funa de l'école. Tu batoto bule. De pere. Mwe muku na boka sana mwe. Mwe l'armée romaine. Sasa jeshi ya kiroma hiku wapia. Sont partis. Mwe mubasha kuenda. J'ai descendu. Panapanda. Dieu est descendu. Mungu anashuka. Il a sauvé son peuple. Akaokoa watu wake. Non. Apana. Ils se sont retirés. Barikimbiaka. Pour permettre aux chrétiens de sortir. Baritokaka mbele. Njia kurusia kwa bakristu batoke mumuji. Sont restés là. Bakabakia mule. L'armée est revenue. Jeshi ikarudia. A cerné la ville. Ikazunguka mumuji. On les a affamés. Bakawalarisha na njala. On les a massacrés. Bakawauwa. Ils sont partis dans les temples. Bakaenda mwekalu. Croyez que là, ils auront mule, le salut. Batapata kuokovu mwekalu. Les Romains sont entrés là. Waskari wakaingia na mule. Dans les temples, on les a égorgés. Et ils ont mis le feu à la chose. Na bakachoma na kuchoma mwekalu. Mais, lakini, les chrétiens, wa Christu wao, ils observaient les signes. Baranza kuangalia kumaalama. Quand vous verrez ces choses arriver, wakati mutaona hivi vitu kutendeka, ça
sachez Mujue que la désolation de Jérusalem est arrivée. Ya kusema waribivu wa Yerushalemu umekaribia. Alléluia. Alléluia. Quand vous verrez ces sept visions, wakati mutaona imaono saba en train de prendre place, iku nenda na kutendeka. Alléluia. Alléluia. Que resterait-il? Que reste-t-il? Kuna bakia tena nini? Rien. Hakuna tena kile kinabaki. Il n'y aura plus rien. Akusta kwa tena kitu. L'église va être enlevée. Kanisa itachukuliwa. Maintenant, sasa, nous ne savons pas quand. Atujue ni wakati kan. Ma soeur, dada yangu, mon frère, nduku yangu, c'est le temps de se secouer. Ni wakati ya kujitikisa. De ne pas être dans la distance. Aina wakati ya kulengama tena. Non. Apana. Ne soyez pas seulement là-bas. Apana kubakia mwenye kukala tu pale. Huku natafuta paka mfranga. Unapanda, unashuka. Les choses comme cela. Unafanya bintu sa vile. Relevez votre tête. La musha kwa kichwa. Les choses bitu vont tomber. La grande tribulation va tomber. Siki kubwa itafika. Mais ce n'est pas pour l'épouse. Lakini aista kuya njia bibi harusi. L'épouse, on va l'arrêter. Bibi harusi batamuchukua. Alléluia. Alléluia. Le prophète dit. Nabi eko nasema. Quand le Seigneur Jésus wakati Bwana Yesu avait fait cette déclaration. Arisemaka kwa hii misemo de Jérusalem. Ya Yerushalemu, tout était resté dans la normalité. Yote bilikuwa natendeka kama kawaida. Bantu baranza kwenda mu makanisa. Chanter des cantiques. Teko naimba mimbo. Mais lakini amen. Amina. Le même Dieu Mungu moja moja qui a prophétisé sur Jérusalem ule aritabilia est venu encore anakuja tena au travers du prophète kupitia nabii pour nous prophétiser ces choses. Njia kututabiria hivi vitu. C'est la fin. Njo mwisho hii. C'est la fin ma fille. Tushakufika kumwisho dada yangu. C'est pourquoi njo kwa mana ressaisissez-vous. Mushimameni kuimba. Alléluia. Allez dans la prière. Que Dieu secoue votre âme. Mungu atikise ko nafsi. Ne soyez pas dans la distraction. Hapana kubakia mwenye kulengama. Que Dieu réveille votre âme. Mungu amushe ko nafsi yako. C'est la fin. Jo mwisho. C'est la fin. Ni mwisho. Vous voulez que ça se dise comment? Muna tafuta tamiambie na muna kani. Lui, il vous donne des signes. Eko na mipatia maalama. Vous observez les signes. Mungu naangalia maalama. Oh, c'est la fin. Nasema hapa njo mwisho. C'est la fin. Njo mwisho hii. Vyana neta. Nous allons terminer, ne vous en faites pas. Tamaliza muda si muda. Nous sommes dans les instructions 88. Paka katika mafundisho ya Gabrieli kwa Danieli. Kifungo cha makumi munane na munane. Si. Il dit, anasema, 88, je crois 80, on va lire longuement là-bas. Il dit ceci. Tasoma kobine, faut parler. Il dit, anasema, mais Jérémie, lakini Yeremia, avait écrit ces paroles bien. Ariandikaka aya maneno bien des années auparavant. Miaka kisha. Et Daniel, miaka mbele na Daniel, en interprétant la parole, mukutafsiri hii neno, il a compris. Akaelewa. Et un instant, là, nous nous approchons du temps de la fin. Puisqu'il y a déjà 68 ans que Jésus est ici. Et le prophète du Seigneur amen. Amina. Mon frère, nduku yangu, le vrai prophète de Dieu, nabi wa kweli wa Mungu, qui a prouvé qu'il était prophète, ula ridipitisha kusema alikuwa kweli nabi, il nous a donné une prophétie. Alitupatia kwa maneno ya unabi. Je l'ai là. Niko nayo hapa. C'est écrit dans les livres. Iko yenye kuandikiwa kwa vitabu. Il s'écoulera 70 ans. Na arisema kutapita miaka makumi saba. Oh Seigneur Dieu. Eh hey, Bwana Mungu. Nous nous approchons de la fin. Tunakaribia kumwisho. Ces de cette génération là. Bale ba mukile kizazi kile. Sont tous morts. Wote balikufa. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Seigneur? Utafanya sasa nini Bwana? Tu as promis de nous envoyer. Ulituadia kusema utatutumia. Et il a décidé de se mettre en prière. Il a décidé de se mettre en prière. Na alichukua mpango ya kwanza kuomba. Oje. Eh Mungu. Si y a un temps. Kama kunako wakati. Où nous aussi. Ile sisi pia. Nous devions nous mettre en prière. Tunapasha kwanza kuomba. C'est bien maintenant. Ni hapa sasa hivi.
Êtes-vous là? S'il y a un temps où nous devons nous mettre en prière, c'est maintenant. Ma soeur, mon frère, les choses. Vitu. Alléluia. Alléluia. Les choses. Vitu. Oh, nous ne savons pas ce qui va arriver. A toujours écrit qui t'attendait. Oh Dieu. S'il y a un temps. Kama kunako wakati, où nous aussi, il est sisi pia, nous devrions nous mettre en prière. Kwanza kuomba, c'est bien maintenant. Ni hapa sasa, car nous, kwa sababu sisi, qui sommes son vrai serviteur, wenye kuwa watumichi wake wa kweli, nous pouvons voir par les lettres tunawezi kuona kupitia kwa mabarua, de l'apôtre, kupitia mabarua ya mutume, par le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu, qui nous met en garde yenye kutusopesha. Que nous sommes au dernier jour. Ya kusema, tuku mwakati ya mwisho. Le Saint-Esprit le dit. Roho Mtakatifu anaisema. Dans le dernier jour. Mwakati ya mwisho. Les hommes seront emportés. Mumasiku ya mwisho, watu watachukuliwa. En flingue d'orgueil. Wataja tele na kiburi. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Mukupenda nasa bali pa Mungu. Déloyaux. Batu bila sheria. Calomniateur. Benye kuzingiziana. Intempérant. Batu bila saburi. Ennemi des gens de bien. C'est ce que je comprends par la lettre. Je comprends aussi qu'il y aura de mon cœur au dernier jour. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des raz de marée. Ya kusema kutakuya kwa maji kupanda. Ce qu'on appelle le tsunami. Ile beko naita kusema kuchamuka kwa mai wala kuzidi kwa mai. Il dit ceci. Anasema tena. Je comprends qu'il y aura des raz de marée. Miku naelewa ya kusema kutakuwa kuzidi kwa maji. Au dernier jour. Mwakati ya mwisho. Je comprends. Miku naelewa. Qu'il y aura des choses. Ya kusema kutakuwa vitu. Qui feront peur à voir. Vile vitaleta boka ukubiona tu. Comme des soucoupes volantes dans les ciels. Kama vile ma scoupe volante wala des, ma gari ya mabawa. Des choses mystérieuses. Vitu vile austa fika mkuelewa. Et que la peur naboka fera défaillir le cœur des hommes. Utengia mumioyo ya watu. Ça sera un temps. Itakuwa ni wakati où on saura que faire. Ile atusta yote kufanya ni nini. Et les gens na watu seront dans l'angoisse. Watakuya bila kya kuegemea. Je lis qu'ils se rassembleront. Mina soma ya kusema batakusanika. Tous dans des organisations. Wote katika mangunji. Dans des dénominations. Mumazehebu. Et qu'ils fermeront une confédération. Na watafanya konkunji ya makanisa. Au dernier jour. Mwakati ya mwisho. Je comprends. Miku nelewa. Que les femmes se couperont les cheveux. Ya kusema wake watadikata manywele. Au dernier jour. Mwakati ya mwisho. Je comprends. Minelewa. Qu'elles s'habilleront court. Ya kusema watavala mavazi mufubi. Avec des hauts talons. Na ma haut talon. Croyez-vous William Branham? Eti munamwamini William Branham? Hallelujah. Hallelujah. Vous trouvez une femme avec un talon. Unakuta mwanamke mwenye kuvala bilato bya matalon mrefu paka. Une sœur. Dada moja. On veut consacrer les mariages ici. Anataka kutolea kutolea kwa ndoa yake hapa. Elle vient avec un talon. Anakuja na kilato ngara talon mrefu. Je kunatembea hivi. C'est la parole du prophète qui est en train de dire. Ni neno ya nabii ile kunenda na kutimia. Branham kunasema. S'il se sentier. Mui njia. On ne marche pas avec les hauts talons. Abatembe yake mona maota talon hapana. Non. Hapana. C'est ainsi dit le Seigneur. Ni hija sema bwana. Dans les derniers jours. Mwakati ya mwicho. Elles s'habilleront court. Batavala mavazi mufupi. Oh. Eh. J'ai assisté il y a, je ne sais pas, une semaine. Mi, à la télé. Miriona ko kusha kupita nazani. Il y a une maison qu'on appelle Joe. Television. Huku nyumba mmoja naita Joe. De mode, hein? Je crois que c'est une maison française. Ile nyumba inafanyaka kwa mavazi ya watu. Alors on a montré que non, c'est ça la mode qui c'est. Marionesha kusema hii ndio mangua ya sasa hii. Ah, je vous dis, niko na miambia raccourci encore là. Panafupisha tena kupita. Amen. Amina. Amen. Amina. Quand nous voyons ça, wakati tu kunaona biote bile, nous voyons les prophètes. Tuko na muona nabii. Nous sommes à la fin. Tuko kumwisho. À la fin. Tuko kumwisho kabisa. Elles s'habilleront court. Batavala mavazi ya mufupi. Elles auront de hauts talons. Batavala matalo milefu.
ceci. Anasema hivi. Oh là là. Il dit. Anasema. Je comprends. Mikunelewa. Que les femmes se couperont les cheveux. Ya kusema banamuke batadikata manywele. Au dernier jour. Mwakati ya mwisho. Je comprends. Mikunelewa. Qu'elles s'habilleront court. Ya kama watavala mavazi mufupi. Et avec de hauts talons. Batavala bilato vya matalon. Qu'elles feront résonner en marchant. Bataanza kuiririsha wakati beko natembea. Au dernier jour. Mwakati ya mwisho. Je comprends. Mikunelewa. Que les mères seront très relâchées. Ya kusema matabia ya watu itakuwa yenye kusulwa. Au dernier jour. Mwakati ya mwisho. Je comprends. Mikunelewa. Que les prédicateurs seront de faux bergers. Ya kusema waubiri watakuwa wachungaji wa bongo. Au dernier jour. Mwakati ya mwisho. Qu'ils feront des compromis. Wataanza kupatana na maandiko. Qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu. Watu watakuwa wadui au lieu de nourrir les gens de la parole. Bari pakulisha watu na neno la Mungu. Ils se tourneraient vers des crétos. Batageuka na kwanza kuwaletea matanuni ya imani na matabia ya mavitu vya kuachana. Mais je comprends aussi. Lakini mimi kunaelewa tena. Qui nous voit se faire entendre au dernier jour. Ya kusema sauti moya itasikilika mwakati ya mwisho. Qu'elle criera dans le désert. Italalamika tokea mule mujangwa. Qu'elle appellera les gens. Itaita kwa watu. À revenir au message. Warudie ku ujumbe. Originel. Ujumbe ya kumwanzo. Hallelujah. Hallelujah. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh. À revenir aux choses de Dieu. Warudie ku vitu vya Mungu. Dans le temps là. Dans le message est entré. Dans le temps là. Mwile wakati. On assistait à des confessions terribles. Furkuyaka ko batu beko nasema bintu vya kushangaisha sana. Moi j'ai travaillé avec un faux diplôme. Minjanza kutumika na diplôme ya bia bongo. Non, les gens ont confessé ça. Bantu beko nakiri. On voit leur patron. Anenda anaona bwana mkubwa wake. Je travaille avec un fou. Mie imashiku yote njaza kutumika na diplôme ya bongo. Nous avons fait telle chose. Mie rifanya kitu fulani. On ne voit plus cela. Atone tena bia vile. On ne voit plus cela. Atone tena bintu bia vile. Les gens sont figés. Bantu banakuya bene kudegemea. Oh, je dis ceci. Anasema hivi. Il dit. Anasema. Mais je comprends aussi. Lakini mimi kunaelewa tena. Qui nous voit? Ya kusema sauti moja. Se fera entendre au dernier jour. Itasikilika mwakati mumasiku ya mwisho. Qu'elle criera dans le désert. Italalamika mule mujangwa. Qu'elle appellera les gens. Itaita watu. À revenir au message original. Warudie ku ujumbe ya kumwanzo. À revenir aux choses de Dieu. Warudie ku vitu vya Mungu. Je comprends. Mikunelewa. Par les livres. Kupitia vitabu. Que ces choses vont avoir lieu. Ya kusema hivi vitu vitatendeka. Je comprends que. Minelewa ya kusema. Dans les derniers jours. Mwakati ya mwisho. Il y aura une famine. Kutakuya konja. Les églises seront tellement organisées. Makanisa itajitengeneza kabisa. Tellement arrêtées. Yenye kutengenezwa kabisa. Et tout. Na vyote. Il y aura une famine dans les derniers jours. Kutakuya konja mwakati ya mwisho. Que ça ne sera pas seulement des pains et d'eau. Lakini haitakuwa paka njaa ya chakula na maji. Mais ce sera d'entendre la vraie parole de Dieu. Lakini itakuwa njaa ya kusikia neno ya kweli ya Mungu. Et les gens. Na watu. Partiront. De l'est, watanza kutoka kwa asubuhi, de l'ouest, banenda ku magharibi, du nord, banatoka ku kaskazini, wanashuka kusini, chercha à entendre la vraie parole de Dieu. Beko natafuta kusikia kwa sauti ya Mungu ya kweli. Mais les églises seront tellement organisées. Lakini makanisa itakuwa yenye kujitengeneza kabisa. Tellement figé. Yenye kujifikia mipango kabisa. Qu'elles ne l'entendront pas. Abasta isikia. C'est ce que je comprends par les livres. Jo kile mimi kunaelewa kupitia vitabu. Mais en ce jour-là, oh Dieu. Lakini mwile masiku. Un germe s'élèvera de David. Chipuko moja ita panda tokea Daudi. Je comprends. Mikunelewa. Qu'il enverra Elie. Ya kusema atatuma kwa Elia. Avant que ce jour-là arrive au temps de la fin. Kabla ya bile vitu kufika mwakati ya mwisho. Et qu'il aura un message. Na kutakuya kwa ujumbe. Qui ramènera le cœur des enfants. Ile tarudisha mioyo ya watoto. Au père. Kwa ya baba. Qui les ramènera à l'original. Itairudisha kutia kumwanzo. Qui les fera retourner jusqu'au bout. Ile tawarudisha paka na kumwanzo. Et recommencer. Na kuanzulula tena. Alléluia. 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 Ce message. I ujumbe. Ça vous appelle à recommencer. Iko na mita mwanzulule. Comment vous voulez? Namuna kani. Vous prenez un bus ici. Unachukua gari hapa.
Vous allez à Kolwezi. Unaenda ku Kolwezi huko. Vous quittez seulement ici. Unatoka tu hapa. Je ne connais pas les tronçons d'ici là. Mais si jue, vous quittez seulement le bus. Unapanda tu gari hapa. Vous arrivez à Kabosesei quelque part. Unafika tu pa Kabosesei hapa. Ça tombe en panne. Inakufa. Patientez là-bas ou on repart. On après, quittez, vous allez presque de l'aéroport, ça tombe. On a fait que tout caribou n'aéroport pas les inakufaten. Vous montez encore là-bas, ça tombe. On a pas d'antenne inarbikaten. Et vous allez continuer avec ces bics là. Ça, ça ouais. Où t'endeleche safari na ilégari ya ilé namun. Descendez. Chou comme ilégari. Si vous remarquez, comme on a onna, que votre expérience. Ya kusema maisha ya kabinasi. Ne tient pas debout avec la parole. Recommencez. William Branham ekonasema. Il chargeait des wagons. Maintenant, sasa, avant les scellements, mbele ya boku ifunga wala kuichapa, l'inspecteur devait venir. Wale wa inspecteur walipasha kupita. Entrée de temps. Kuingia mule ndani. Voir si c'était bien empli. Juu ya kuchunguza kuona kama walipanga vitu mzuri. Alors si il y avait des cartons qui brûlaient. Kumbi kama kulikuwa yako vitu vingine bila bakupange mzuri. L'ordonner le déchargement. Baranzaka kuambia bantu ase mushushe vyote. Eh? Kisha recommencer. Bananzulula tena kupanga vitu. Ce message. I ujumbe. Vous appelle à recommencer. Iko na miita mwanzulule. Si vous voyez votre expérience. Kama nangalia maisha yako ya binafsi. Ça ne tient pas. Aishimame bwima. Quand vous comparez avec la parole de Dieu, kuna ilinganisha na neno, recommencez. Anzulula. Parce que le Saint-Esprit, kwa sababu Roho Mtakatifu, ne peut pas agir de la façon dont vous agissez. Ashiwezi kutenda, munamuna ile wewe kunatenda pana. Fou. Mule ndani yako. Le Saint-Esprit voit le football. Ii Roho Mtakatifu iko naangalia football. En fou. Mule ndani yako. Le Saint-Esprit boit de l'alcool. Roho Mtakatifu iko nakunywa mbombe. En fou. Mule ndani yako wewe. Vous faites de la mafia. Uko na ibia. Là-bas, à Dubaï. Kule ku Dubaï unaibia. Et vous dites que c'est le Saint-Esprit. Kisha huku naambia bado kusema ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est pur. Roho Mtakatifu iko safi. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est un esprit saint. Ni Roho Mtakatifu paka bila tunaibia. C'est Jésus. Ni Yesu. En vous. Ndani yako. Vivant sa propre parole. Mukuishi neno lake binafsi. Quand il n'est pas là. Wakati ashinamo. Dis-lui. Umoneshe. Seigneur, je vois que tu n'es pas ici. Bwana, mimi naona sema una ndani yangu. Car si tu étais à moi. Kwa sababu kama tu ulikuwa ndani yangu. Je ne peux pas agir de la sorte. Mimi sikupasha kutenda hivi. J'aimerais recommencer. Mimi nataka nyanzulule. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez les choses ne pas tenir. Kama unaona bintu biendeke. Recommencez. Nyanzulula. Ne restez pas seulement aux mains imposées les mains. Il y a 30 ans. Et j'ai le Saint-Esprit. Mais lakini, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, Branham a dit, Branham ekonasema, vous comparez la vie de la parole avec votre vie. Uko nalinganisha maisha ya neno na maisha ile wewe unaishi. Oui. Ndiyo. Recommencer. Anzulula. Les choses. Vitu. Alléluia. Alléluia. Les choses. Vitu. C'est horrible. Nibya oka. C'est horrible. Nibya oka. Revenez. Rudia. Ce message. I ujumbe. Crie. Ikunalalamika. Dans le désert. Ikunalalamika mujangwa. Revenez. Rudieni. Soyez ramenés. Murudishwe. Recommencez. Anzulule. Venez à l'origine. Murudie kuja kumwanzo. Que Dieu vous bénisse ce soir. Mungu amibariki magharibi. Oh Jésus. Oh Jésus. Mettons-nous debout. Tutashimama bwima. Mettons-nous debout. Shimameni bwima. Jésus. Les jours de rédemption. Avec nos mains levées. Les jours de la rédemption, les prophètes.
attirer l'attention des enfants de son âge.
L'enfant regarde fixement. L'enfant est malade. Oh, secours. Oh, secours, Seigneur. Ce n'est pas possible. Dieu est en train d'accomplir sa parole. Il est en train d'agiter. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Que reste-t-il? Rien. Que reste-t-il? Rien. Oh Dieu. Courez vite. Courez vite. Soyez bougés. Les messages pour ça recommencer. Ne vous fiez pas en cette vieille expérience. Regardez l'esprit que vous avez reçu là. Ce que ça vous fait faire. C'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Non. Recommencez ma fille. Recommencez mon frère. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Que Dieu nous vienne en aide. Ne regardez pas dans les vides. Que je réveille votre conscience. Soyez bougés. Réveillez-vous. Soyez bougés. Soyez remués. Oh Dieu. Alléluia.
suivons la prière. Seigneur, tu es bien-aimé. Nous te remercions encore, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, pour ta parole que nous venons d'entendre, Seigneur, d'écouter, Seigneur. Tu viens de nous parler ce soir. Tu viens de nous montrer encore, Seigneur, que nous devons nous arrêter, Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts pour partir, Seigneur? Oh, tu es bien-aimé pour aller à l'enlèvement, Seigneur, quand tu viendras, Seigneur. Et tu viens de nous montrer encore, Seigneur, pour être enlevé, Seigneur, nous devons avoir le Saint-Esprit, Seigneur. C'est ça même le billet pour un véritable chrétien, Seigneur, pour aller au ciel, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, Seigneur, personne n'entrera pas dans le royaume des cieux, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à nous examiner ce soir, à partir de ce soir, à faire l'inventaire de nos vies et à chercher le Saint-Esprit jour et nuit, Seigneur. Parce que toutes les prophéties, Seigneur, sont en train de s'accomplir, Seigneur. Comme ta parole nous dit, Seigneur, au temps de la fin, Seigneur, il y aura des maladies, Seigneur, il y aura même des fléaux, Seigneur, que la médecine ne saura jamais arrêter, Seigneur. C'est ce que nous voyons maintenant, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons ce soir, fais-nous grâce, Seigneur, à demeurer toujours dans ce message, et que ce message soit notre vie, Seigneur, et que ce message, ô Dieu, puisse quitter dans des bandes, dans des brochures, puisse pénétrer au-dedans de nous, Seigneur, afin que cela soit une vie à travers chacun de nous, ô Dieu. Tu es bien-aimé, Seigneur. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé, Seigneur. Bénis notre pasteur, ô Dieu. Bénis cette église, Seigneur. Je crois de tout mon cœur, Seigneur. À travers la prédication de ta parole, tu as guéri les malades au milieu de nous, Seigneur. À travers la prédication de ta parole, tu as ramené les rétrogrades dans la communion, Seigneur. À travers la prédication de ta parole, celui qui est venu avec un fardeau, Seigneur, tu as accordé la solution à son problème, ô Dieu. Parce que tu es terrible dans l'assemblée des saints, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, ni ne revenir à toi, Seigneur, et rentrer tel qu'il est venu, ô Dieu. Mais quelque chose doit se passer dans sa vie, ô Dieu. Je crois de tout mon cœur, tu accordes à chacun de nous les désirs de son cœur. Que ton nom soit loué, soit glorifié à jamais pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Ce soir au milieu de nous, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté, au siècle des siècles. Nous te demandons avec la foi, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur soit béni pour la prédication de la parole. Et qu'il bénisse abondamment son serviteur, le pasteur Barnaba. Est-ce que nous avons été bénis par la personne de la parole? Veuillez le manifester. Ok, que notre Dieu soit loué à jamais. Maintenant, nous passons à un autre service, celui de la récolte des dîmes et offrandes, ainsi que l'offrande pour l'entretien de notre temple. Ainsi, nous prions à nos chers diacres d'avancer avec les corbeilles. Ainsi, inclinons vos têtes, nous allons dire un mot de prière. Dieu, notre Père et notre Roi, nous avons été abondamment bénis ce soir par l'écoute de ta parole. Maintenant, nous voulons passer au service du prélèvement des dîmes et offrandes, ainsi que l'offrande pour l'entretien de notre temple. Et cela, Seigneur, c'est pour compléter notre adoration. Sois avec nous du début à la fin. Que les bénédictions qui sont prévues pour cet acte soient notre partage. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons accompagner ce service. Numéro 108. Les vanités de
Nous avons quelques remerciements. Le frère Freddy Mukuna dit ceci. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir gardé mon épouse pendant toute la période de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Il dit que le Seigneur bénisse notre pasteur ainsi que tous les saints de l'Église Tabernacle. La sœur Sylvie Kabedi remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis que son fils, qui avait été changé de poste, soit ramené à son poste respectif. Dada Sylvie Kabedi anamshukuru Bwana Yesu Kristo ya kusema ariwusu ya kusema mtoto wake ule baritosha pafashi pake pakazi papate kumurudisha hapo tena. Eh, dit que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Anasema jina la Bwana libarikiwe juu ya ile. Le frère Seth Kalala remercie le Seigneur de lui avoir accordé un diplôme d'état avec 57%. Dugu Seth Kalala namshukuru Bwana Yesu Kristo kwa vile anampatia diplôme d'état na 57%. Il dit que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Anasema jina la Bwana libarikiwe juu ya ile. Maintenant, nous appelons le pasteur pour reprendre la chair et consacrer quelqu'un qui fête son anniversaire.
Sasa hivi tunamwalika pastori arudie kumimbari jua kumtolea kumwambia mara tena ule mwenye kusherekea tarehe yake ya kuzaliwa. Soir, nous avons fini. Nous invitons les diacres Matipo pour venir congédier l'église. Et dans sa prière, il va se souvenir de la sœur Kode Chivula. Elle dit qu'elle a été licenciée au service sans cause. Elle croit que si l'épouse crie au Seigneur, et il fera que notre sœur reprenne son travail. Ainsi, le diacre va se souvenir de cette requête. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, nous venons de suivre ta parole. Nous croyons, Dieu notre Père, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de ta bouche. Nous venons de suivre que les événements modernes sont rendus clairs aujourd'hui par la prophétie. Donne à tout un chacun de nous un cœur au Père Céleste repentant pour que nous puissions tous ensemble revenir dans le chemin parce que nous croyons que l'un de ces quatre matins, tu viendras prendre ton épouse. Laisse que cette parole que nous avons suivie puisse avoir l'effet sur chaque cœur, que ceci puisse impacter chaque cœur à revenir auprès de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons encore la requête de notre sœur qui est licencié au travail sans problème. Toi, le Dieu qui a les yeux comme les flammes de feu, nous te prions, ô Dieu, de faire que notre sœur soit retournée au travail pour que sa joie soit parfaite. Maintenant que nous voulons partir, Dieu Tout-Puissant, conduis-nous en chemin, chacun de nous jusqu'à son domicile. Lorsque tu permettras que nous puissions encore nous retrouver ici vendredi, nous allons encore te glorifier. Que l'honneur, la gloire et la magnificence soient rendus. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous avons complètement terminé. Il est 18h29. Allons dans la paix du Seigneur.
Et sortons selon les indications de nos diacres. Que le Seigneur vous accompagne et vous soutienne. J'ai résolu de ne plus chercher.